Bonsoir. Bonsoir. Allô. Ah, vous l'avez toujours pas scié le truc là qui gêne. Hein. Il est toujours là ce truc là. Putain. On a 8 ans, j'ai eu ce truc au milieu. Là, et... Olivier. Il va falloir y penser quand même, Hélène. On est à Dijon ce soir, je crois, mais on a eu l'impression de se retrouver à Nîmes un peu. Oui, à Nîmes, à Monaco. Je suis entièrement d'accord avec toi. On a retrouvé les mêmes défauts. Donc, ça veut dire que de ce côté-là, on ne grandit pas vite. Ouais, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Même pas trop parlé à chaud, mais là, je n'étais pas satisfait de ce que j'ai vu, notamment sur un entame de match. Première mi-temps, voilà, ça joue à son rythme. Donc, ça peut pas marcher, quoi. Voilà, donc on le sait, on a été prévenus. On savait ce qui nous attendait. On n'a pas été capable de passer sur la tempête un petit peu. On savait qu'on allait être secoué. On savait aussi qu'on avait un déficit physique par rapport à eux, parce que physiquement, c'est très athlétique. Mais c'est surtout dans les intentions que ça m'ennuie le plus, parce que on se met à mal très rapidement pour entamer une deuxième mi-temps, quoi. Donc avec 2 buts à la musette, après. On est obligé de prendre des risques derrière et c'est compliqué. Comment expliquer le fait quand même que c'est pas, enfin c'est pas le PSG, c'est bon, il y avait Monaco qui avait une force offensive, mais Nîmes, donc là là Dijon, c'est des concurrents directs et on voit une différence criante entre les deux Ah équipes, oui, quoi. tout à C'est fait. vraiment criant, c'est l'impression que c'est pas deux équipes du même championnat, quoi. Sur la première mi-temps, C'est ça, sur la il y a deux première. équipes complètement différentes là-dessus. On a des trous voilà, depuis le début de saison là, sur ça. On a du mal à le combler. Ce soir, je te dis sincèrement, j'ai pas trouvé dans le replacement, ça n'a pas été ça. On se replace trop lentement, c'est trop tranquille. On a vu la différence entre Dijon qui se replaçait très fort, avec les attaquants qui se replacent très fort. On a senti un bloc en place. Nous, non, on ne veut pas le faire. Voilà. Alors, quand on ne veut pas le faire, ben, on devient une équipe quelconque. C'est ce que je répète. Quand on veut le faire et que là, on devient une équipe intéressante. Mais là, sur les replacements, c'est tranquille. C'est pas, le bloc n'est pas ensemble, c'est timide. Donc, effectivement, pour la Ligue 1, c'est pas assez. C'est pas assez. Voilà. Donc, comme tu as dit, on a retrouvé certains travers de matchs qu'on a perdus parce qu'on trottine et l'adversaire sprint.
sans résumer la contre-performance et les absences, mais il y a quand même, on voit que finalement l'importance que peut avoir des joueurs comme Belkebla, comme Diallo, dans le milieu de terrain en tout cas. Oui, mais je vais te dire, oui, effectivement, on a besoin d'avoir plus de, d'avoir tout le monde. Ouais, c'est clair, sinon on peut être vite en danger, ça peut être compliqué. Mais déjà, la première des choses, il faut que dans les duels, bon, on soit conscient que c'est pas assez. Voilà, donc on le sait, on le crie, on le martèle, mais tout le monde n'en a pas pris conscience. Et je le répète, aujourd'hui, je ne suis pas là pour tirer sur les uns ou les autres, mais au niveau replacement offensif, il faut plus que ça. Voilà, je le dis calmement, je l'ai dit peut-être un peu moins calmement tout à l'heure, mais voilà, si on ne fait pas ça, on est en grand danger, parce que, et je répète, on joue le maintien, et on joue le maintien parce qu'on est encore en déficit là-dessus, et que certains ne veulent pas faire l'effort. Un match de football, c'est dur. Il y a des coups, et des fois ça brûle au niveau des poumons. Il faut savoir faire les efforts ensemble. Et là, certains ne veulent pas le faire. Donc s'ils veulent jouer à leur niveau, à ce petit niveau-là, on sera en danger. Je le répète, je tire la sonnette d'alarme dès à présent. Voilà. Tu as maintenu aussi ton système en 4-4-2 avec les deux attaquants, Mendy et Charbonnier devant. Oui. Ça a bien fonctionné à un moment donné. Oui. Et là, finalement, est-ce qu'on peut résumer ça au système ? Peut-être pas, mais en tout cas, ça, ce soir, il a moins bien fonctionné aussi. Quoi. Ouais, non, je vais moins m'attarder sur le système, parce que je peux mettre, aujourd'hui, je pouvais mettre le système que je voulais. Hein. Mmh. Ouais, je pense que c'est. Du moment que les intentions ne sont pas là, c'est compliqué. S'il n'y a pas les intentions de dire, voilà, bon, on va rentrer, ça va être difficile, on va s'accrocher. Voilà, c'était les consignes de match étaient là. Attention, ça va être difficile, on s'accroche, on passe ce cap et on y va. 2 minutes de jeu, but. Donc, compliqué. Et après, 15 minutes de jeu, deuxième but. Donc, ouais, parce qu'on perd les duels, parce qu'on n'est pas présent, parce qu'on ne veut pas aller. Voilà, on ne veut pas trop se faire mal. Et à l'arrivée, si on se fait pas mal, on est léger, quoi. On est léger. Mettre un peu de côté le match, comment est-ce que tu as vécu personnellement ton retour ici, le public t'a réservé un bel accueil. Oui, toujours, ouais, j'apprécie beaucoup, il faudrait que je les remercie un par un, parce que voilà, je le fais à travers les médias aujourd'hui, parce que c'est toujours très touchant. Alors je suis dans mon match, je suis dedans, mais j'entends, voilà, j'ai entendu, donc de toute façon, ça restera jamais dans mon cœur, on le sait, voilà, j'ai travaillé ici avec un grand plaisir et j'ai partagé des grands moments, je le dis, je le redis, donc je les remercie encore là-dessus. Après, bon, de revenir et de faire un match aussi pauvre quelque part, c'est, voilà, je suis vraiment frustré par rapport à ça, parce qu'on n'arrive pas vraiment tout le temps à montrer notre vrai visage, donc je suis un peu frustré par rapport à ça, mais j'étais très heureux de revenir ici. Même s'il y a toujours ce truc-là qui gêne un peu, mais bon, je m'étais habitué, je crois. Une question, Jean-Pierre Fauvache. Bon, en deuxième mi-temps, ouais. On a eu des temps faibles. Ouais. Vous auriez pu en profiter. Ouais. Il y a un type qui vous a fait du mal. En fait, ouais. C'est Gomis, quoi. Ouais, il a été très bon. Le gardien de but a fait la différence, parce que j'aurais aimé voir si. À 2-0, on met un but, nous, à 2-1, ce que ça pouvait donner. Donc les occasions, deuxième mi-temps, il y en a eu. Après, il y a eu la belle occasion de Mendy sur la transversale, sur la première mi-temps aussi. Tout n'est pas à jeter. Voilà, on est capable de faire des bonnes choses. Simplement, nous, on adore ce photo des handicaps, c'est ça, quoi. Après, le gardien, enfin, Gomis a été excellent, parce qu'il y a eu 2-1 contre 1, les frappes aussi qu'il a sorties. Il est bien sorti sur son centre. Voilà, il a vraiment fait la différence. Parce que j'aurais vraiment. Le but sur la deuxième mi-temps, c'était de marquer un but. Quoi. Voilà, si tu marques un but, le match peut changer très, très rapidement. Ce qui s'était un petit peu passé à Toulouse, on avait marqué, l'équipe adverse avait un petit peu paniqué, on en avait profité. Je pense que là, on n'était pas loin de ça. Après. On a besoin encore de bosser, puisque voilà, sur des 1 contre 1, le gardien était très bon et nous, on n'a peut-être pas été assez bon devant. Quoi. Bueno.
match à Nice. C'est quand même mieux quand Sébastien n'est pas là. Hein. Stéphane, quand on démarre un match de cette manière, forcément, que ce soit dans les intentions et le début marqué, ça aide pour faire un résultat. Ouais, ça aide, mais encore faut-il le faire. Donc en termes d'engagement et d'implication, l'équipe a vraiment répondu présent. Le message qu'on voulait passer, on était déçus de la forme mardi. Il fallait effectivement rectifier le tir dès ce soir et puis dès l'entame. Puis montrer qu'à Gaston Gérard, c'est compliqué de prendre des points, donc on l'a très bien fait. Je pense qu'on a mis la tête sous l'eau au Brestois rapidement. On était récompensé par l'ouverture du score précoce, mais on n'a pas baissé de pied. On a fait une très bonne première mi-temps, une grosse première mi-temps. Après, c'était un peu plus compliqué, mais bon, les joueurs ont été récompensés de leur investissement. Compliqué peut-être aussi du fait de la débauche d'énergie que vous avez mis en place en première mi-temps. Vous avez peut-être joué sur un faux rythme sur la deuxième. Il y a une grosse débauche d'énergie, mais je pense que ça n'explique pas tout. Je pense qu'il y a eu aussi un moment de flottement. On avait des joueurs qui avaient joué 120 minutes aussi mardi, dont Fred Samaritano, Matt Fitano, et on a eu un moment de flottement lorsqu'on a voulu se réorganiser. Après, j'oublie pas que l'équipe de Brest a des qualités et qu'elle fait mal à plus d'équipes. Dès qu'on laisse un petit peu d'espace, ça devient compliqué. Après, on peut remercier Alfred d'avoir sauvé des situations de face à face. Il nous a permis de rester dans la partie, enfin de ne pas donner espoir à Brest. Donc il a fait le job, et puis je pense que le troisième but est venu clore les débats. Donc voilà, une bonne copie, avec deux visages montrés pendant le match, un plus laborieux en début de deuxième et un plutôt brillant en début. Mais bon, voilà, on voulait remporter une victoire pour continuer d'avancer, c'est chose faite ce soir. La première fois, vous marquez trois buts aussi, c'était dans le championnat, notamment à domicile, tes attaquants se comportent très bien. C'est quelque chose qui se sentait depuis quelques temps. Oui, je vous le disais, je sentais qu'il y avait des connexions qui se faisaient plus facilement à l'entraînement et je sentais qu'il y a du lien entre les joueurs. Les attaquants commencent à être récompensés de leurs efforts, que ce soit en coupe contre Nîmes ici ou là contre Brest. Et enfin, j'ai des attaquants qui jouent sans ballon et qui font des courses dans la profondeur. Donc enfin, je les chambre un peu, ma vie Didier et Baldé, parce que c'est des Ferrari, mais ils roulaient qu'en seconde. Donc on est de passer la cinquième, c'est mieux. Et puis enfin, de courir vers le but adverse, c'est encore mieux hein, lorsqu'on est attaquant. Donc voilà, lorsqu'on met tous les ingrédients, bah, on prend une autre envergure. Et je pense que les deux ont rendu une belle copie ce soir. Cette prise de la profondeur, c'était une clé ce soir. Ouais, c'était même le plan de jeu, parce qu'on savait que Brest allait chercher très très haut. Et lorsqu'on passait ce premier rideau, qu'il y avait des espaces énormes dans le dos, donc dès qu'on a pu, les attaquants ont fait des courses à bon escient, dès qu'on a pu les servir, on était tout de suite dangereux. La preuve, le deuxième but, le troisième but, c'est exactement copie conforme. Donc voilà, il y avait des espaces que proposait Brest, on les a exploités, tant mieux pour nous. À domicile, ça continue, 9 matchs sans défaite. Vous êtes un sérieux client. Comme tu disais, pour se maintenir, il va falloir les prendre ces matchs-là. Et ton équipe montre qu'elle a vraiment ce caractère pour briller sur sa pelouse. Ouais, j'avais annoncé 10 matchs en 2020 chez nous, qu'il fallait en gagner la moitié, ben on en a déjà gagné 2, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, il faudra faire la même chose dans une semaine contre Nantes et dans 15 jours contre Monaco, enfin, ainsi de suite. Donc j'ai envie que l'adversaire devienne, en se disant que ça pourrait être compliqué ici, parce que je pense que l'impact psychologique est important. Et la preuve, dès qu'on démarre pied au plancher, dès que l'adversaire boit la tasse, se dit que ça va être compliqué. Donc voilà, j'ai pas envie de fanfaronner, attention, mais j'ai envie que ça devienne une marque de fabrique chez moi. Les joueurs l'ont bien compris, l'ont bien intégré. Et aujourd'hui, nos entames de match sont plutôt bonnes, voire très bonnes. Et ça permet de tester l'adversaire, voir ce qu'il a dans le ventre chez nous, à domicile. Il y avait beaucoup d'émotions autour de ce match avec le retour de Dalo Guillo dans ce stade. Il a été ovationné au début, à la fin de la rencontre. Vous avez eu une accolade avec lui à la fin du match. Qu'est-ce que vous vous êtes dit et qu'est-ce que vous avez pensé justement de l'attention du stade envers lui? Moi, je trouve que l'ensemble du club et le public dijonnais étaient très classe. Avec Olivier Daglio, c'est-à-dire que Dijon a de la mémoire. Et voilà, chez nous, on joue peut-être pas la Ligue des Champions, mais on a des valeurs XXL. Et on n'a pas oublié tout ce qu'a fait Olivier chez nous. Et déjà en tant qu'entraîneur, et deux en tant que personne, parce que c'est quelqu'un de très agréable, très sympathique. Donc il y a toujours une forme de grand plaisir de le revoir. Alors ça faisait bizarre de le revoir ici, sur le banc adverse, forcément. Mais ouais, l'émotion, on la met un petit peu de côté pendant le match, mais voilà, je lui ai dit, j'espère qu'on se retrouve avec le sourire tous les deux au mois de mai. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter l'un et l'autre, voilà.
un partout, balle au centre. Voilà. Moi, j'ai été amer après le match à Brest où on avait fait un non-match. Voilà, on est content d'avoir gagné contre Brest. Après, voilà, nous, c'est une victoire que, en plus. Elle n'a pas une autre saveur parce que c'est Olivier Dalloglio ou c'est Brest. Mais c'est tout simplement 3 points de plus dans l'escarcelle et ça nous va très bien. Aussi le creux avec les équipes qui sont derrière, Amiens et Toulouse, ils ont fait match nul. Donc ça aussi, c'est bien de creuser l'écart avec les poursuivants. On a conscience que c'est important de maintenir cet écart pour... lorsqu'on gagne des matchs et puis que l'écart reste le même derrière, c'est compliqué. Mais l'idée, c'est d'avancer au classement et on sait que le mois de février sera important. Déjà avec le nombre de matchs qui va se présenter à nous et avec les adversaires qu'on va rencontrer, dès mercredi, à Nîmes, un concurrent direct qui est derrière nous pour l'instant. Donc je pense qu'il y a un point qui se ferait fin février, comme on l'a fait fin janvier, pour voir un petit peu dans quelles zones on peut se situer. Mais voilà, l'idée de maintenir l'écart avec les équipes d'en dessous était un des objectifs de ce soir et un objectif réussi. Sur le match de Romain Mafitano qui était très bon, c'est un joueur qui revient très très bien depuis quelques semaines, qui avait connu une saison dernière en Ligue 4 et un mental aussi d'exercice un peu compliqué, il a fait un passage sur le banc. Et finalement, il se réimpose comme un élément incontournable de ton groupe là, depuis quelques matchs. Je vous rejoins. Effectivement, Romain enchaîne les grosses performances en ce moment. Je pense qu'il a compris aussi ce que j'attendais de lui. Aujourd'hui, je souhaite que mes milieux de terrain défensifs aient un comportement un peu différent de ce qu'ils pouvaient faire les années précédentes. Donc le temps qu'il intègre, il y a eu un moment de flottement, mais aujourd'hui, il remplit à merveille son rôle. Je trouve que la doublette avec Didier Ndong fonctionne très bien aussi. Donc ils sont un peu garants de l'équipe de cette équipe. Et lorsqu'ils sont bons, on est souvent bons aussi. Et Romain, effectivement, je trouve qu'il prend une autre dimension. J'ai été surpris ce soir de découvrir qu'il avait un pied gauche pour faire une passe D de 20 ou 30 mètres. Donc c'est top. Et puis personne ne s'est trompé. Tous ses coéquipiers ont été félicités. Voilà, c'est ce que j'aime. C'est qu'à travers l'état d'esprit que développe mon équipe, chacun finit par évoluer, progresser. J'espère que tout le monde va dans ce sens-là parce que nous, on va récolter les fruits et on va prendre une dimension aussi. Donc, Romain a félicité parce que... Lorsqu'on doit changer un petit peu sa façon de jouer, lorsqu'on approche de la trentaine, ça peut être compliqué, mais Romain est quelqu'un de très intelligent à l'écoute. Donc il fait que de récolter un petit peu son investissement et sa réflexion. Quoi. Une question sur le secteur offensif, justement, qui tourne plutôt bien. Vous allez devoir intégrer Mendia qui vient d'arriver. Ça ne va pas être facile, ça va vous faire quelques nœuds dans la tête. Ouais, mais c'est des bons nœuds. Je vous rappelle les soucis que j'avais en début d'année. Non, là aujourd'hui, forcément que les bons joueurs vont s'intégrer facilement dans cette équipe. Yacine en fait partie. Après, Yacine, il faut qu'il prenne la température du club, qu'on fasse un état d'élu aussi sur son état physique. Là, on avait un petit doute, donc on a préféré le mettre au chaud, mais il va vite rentrer dans la danse et on aura besoin de tout le monde sur l'enchaînement des matchs. Donc c'est pour ça que je suis content d'enchaîner les matchs, parce que je sais que tout le monde va être concerné et puis tout le monde va devoir apporter son écho aux performances à venir. Mais Yacine est le bienvenu, en plus on découvre le personnage, ça a l'air d'être un bon garçon, donc je pense qu'on ne s'est pas trompé sur les infos qu'on a eues, puis je pense qu'il va nous apporter aussi un plus. Pour finir, Fred Samaritano est sorti vite en début de deuxième mi-temps, est-ce que c'est par rapport au fait qu'il ait joué mardi longtemps, ou est-ce qu'il a ressenti quelque chose? Oui, il y a deux raisons, parce qu'il avait joué 120 minutes, donc il était prévu de faire son remplacement très tôt dans la deuxième mi-temps, puis en plus il a senti un truc derrière la cuisse à un moment donné, donc ça collait pile poil. Donc donc je réponds oui à tes deux questions. C'est le seul souci. On a Fouad Chafik qui a un hématome à la fesse. Mama Baldé aussi. Les fesses ont été secouées ce soir. Quoi. Donc, souci chez nous. Mais sinon, tout le monde va bien. Merci. Ouais, vous avez fait les fesses secouées ce soir.